tous et bienvenue sur J'espère, bon pas j'espère mais quand même, après 11 Predi Runs, 11e et dernier chapitre. Donc on va essayer de le finir. 3 heures pour le roi d'ivoire, ça devrait le faire. On prévoit large. Mais bien évidemment, 3 heures pour le roi d'ivoire, sincèrement je pense que ça devrait suffire. Donc j'ai quand même prévu, je vais pas vous laisser sur la fin et juste faire ça. J'ai prévu d'autres trucs. Et le loot ! Pas de soucis, louloute. J'ai prévu d'autres trucs et donc on va voir des trucs que j'ai dû faire un petit peu en off. Et j'ai une petite surprise pour vous. Je vous épargne en gros le chemin, mais grosso modo, il a fallu faire un serment, il a fallu faire des trucs. Et apparemment, de ce que j'ai compris, c'est l'un des boss les plus durs de la quête principale. J'ai combattu qu'une seule fois parce que je savais pas du tout que j'allais combattre direct. Et il m'a un petit peu poutré. Et ce qui me fait ce que je crains le plus, c'est ses sorts de merde. Son épée est toute pourrie par contre. Ok, je peux esquiver le premier. On va essayer de lui péter la gueule. On aime bien péter la gueule, des trucs. À condition que j'ai de l'endurance. Yes. Ah, il est vraiment tout pourri. Il va se barrer. Ah, pas encore. Qu'est-ce qu'il est nul? Voilà, c'est ça sa faculté. Oh! Gaffe. Ça fait mal, on le sait, ça aussi. Non. Oh putain. Il est pas très dur, mais son chemin est un peu chiant. Mais comme vous voyez, il a failli passer. La première fois, c'est pareil, il était à 3 coups de mourir, je crois. Alors je le connaissais pas du tout. Bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que le. Après, bon. Qu'est-ce que. Oh, je t'ai oublié, toi. Après, ce qui est juste chiant, en fait, c'est que le. C'est qu'il peut en fait il peut attaquer en fait en gros son double peut m'attaquer même quand je le vois pas. Et comme tu vois des fois il vole ou je sais pas quoi, il peut vite me mettre des dégâts vraiment très très forts alors que je peux rien, bah, pas que je peux rien faire mais gérer les deux en même temps. En gros faut que je coupe la caméra pour gérer les deux en même temps. Par contre la musique est vraiment stylée, c'est dommage que le combat est pas méga épique non plus. Parce que comme d'hab, le problème c'est pas vraiment qu'il soit deux, c'est que chaque sort quasiment me tue. Il y a que l'épée qui est vraiment pas dangereuse, mais le laser j'ai même pas essayé, je suis quasiment sûr qu'il me tue d'un coup. Et le truc pas drôle, c'est qu'en fait pour accéder à ce boss, il faut que je me tape un de ces trucs là, donc il y en a... Pour expliquer un peu le procédé, j'ai rencontré une troisième fois le petit vieux. Enfin. Et il va te filer trois endroits à aller, donc ces trucs là. Et le truc c'est que tu ne peux pas... Pour aller affronter le boss, tu dois absolument t'occuper d'un passer par un de ces trucs. Quant à la technique, c'est pas dur en soi, mais bon, c'est toujours pareil, c'est les fameuses 5 minutes de perdu pour des conneries.
Il y a lui, il y a l'espèce de roublard là qui va arriver, je sais plus où il est. Mais c'est lui qui est le plus dangereux, c'est le deuxième. Il est où d'ailleurs? Il est là. Est-ce que je peux le backstab? Je pense pas. Non, je peux pas le backstab. Oh! Il est genre méga dangereux. Alors l'astuce de merde, c'est un peu dégueulasse, mais j'ai testé sans faire exprès, ça a marché. Pourquoi il vient pas? Depuis quand il vient pas? Parce que le problème en fait de ces PNJ pourris là, c'est que le jeu a pas l'air de faire la distinction entre entre les poids lourds ou pas, et des fois il va bouger alors que bah. Malade quoi, merde. Ah, bon là c'est bien passé. Parfait. Et la dernière qui est ici. J'ai jamais su si elle faisait des sorts ou pas. Je crois qu'elle fait des sorts, mais elle est pas. Il y a pire quoi. Voilà. Le ménage est fait, on est bon. Et avant de faire la connerie, on rechange d'arme. Alors on va voir ce que je dois avoir des trucs pour renforcer encore, mais faudrait du feu ou de la foudre idéalement. On commence à connaître la musique, mine de rien. Oh, j'ai du saignement. J'ai du saignement. C'est-à-dire pile ce qui sert à rien. La portée, c'est pas trop un problème parce que je suis obligé de me coller à lui si je veux pas trop crever, donc on va y aller comme ça. Si, je peux peut-être mettre. Ça doit être de la magie qui me fait. On va virer là notre force. Oui, ça, là, c'est une gueule de la magie. On va me faire de la protection magique. La protection magique! Alors ça je sais pas trop en combien de temps ça faisait. Ok, mais une boule noire et ça fait quoi? Voilà, ça fait des explosions ultra pétées. Pourquoi je vais à droite? Depuis le début ça marchait à gauche. Pourquoi d'un coup je change de position? Oh, il y a même pas besoin d'esquiver en fait. Ok, l'explosion il a l'air de choisir quand il l'a fait, donc faut que je fasse gaffe. Voilà, c'est ça qui fait ultra mal. Ah, il le fait qu'une. D'accord, il fait deux boules mais il lance qu'une. Bizarre comme concept. Ah, c'est un timing encore ou c'est de la vie? Merde, il se divise. Oh! C'est con, je me suis planté. J'ai planté le pouvoir, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Ah, d'accord, c'est que ça sort de l'autre tunnel, ok, c'est ça la technique. Oh là 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 là. Ce que j'ai l'impression qu'il manque pour que ce soit vraiment à peu près équitable, c'est des sons vraiment caractéristiques de ce que fait l'autre. Parce qu'à part le laser, c'est vrai que le. Tu restes combien de temps, Louloute?
Il y en a un troisième qui est arrivé mais qui est reparti. C'est triste. Oh merde, ouais, je t'ai oublié toi. Bon, c'est pas grave, on va l'esquiver pour l'instant. Ok, le samouraï se pointe, le fantôme on s'en fout pour l'instant. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parfait. Est-ce que je serais pas avec la hache de foudre? Comme d'hab. Bon allez, ça va le faire, hop. La tenue que j'ai, ouais, c'est la... La tenue, tu veux dire, ou les armes? Alors ça c'est les trois boules de feu je crois. Ouais, 1, 2, 3. Bon ça c'est ce qui est de ouf, ça c'est bon. Voilà. En gros si je comprends bien, il me balance une boule là-dedans et ça la téléporte dans l'autre et il me l'envoie à la gueule. Voilà c'est ça. Du coup si je vais vers la boule, c'est comme ça que j'esquive. C'est bon. Et si j'ai raté le con. 140, je fais que dalle comme dégâts ou c'est moi qui hallucine? 140 pour lui. Le marteau. 148, ouais non en fait je vais privilégier la hache. Quel con. Ok il me fait son laser pourri là. Ouais. Bon tranquille, descend, tranquille. Allez viens. Allez pop pop. Merci. Sa téléportation, faut retrouver la deuxième, elle est là-bas. C'est bon, ça a l'air de marcher. Oh quel con! Bah oui, je le prends à une main, tu m'étonnes, je fais pas de dégâts. Je pas tant que ça non plus. Fais-moi tes boules à la con. C'est bon qu'il privilégie pas l'épée quand il est prêt. Ah déjà? Ah ça je m'y attendais pas. Ne m'arrange pas. Ah, faut que j'arrête de le regarder en fait. Putain je sais pas où est le deuxième. Là-bas. Oh! Bâtard! Ok, trois boules. Ça se casse. On consomme. Façon de parler. On va aller voir l'autre derrière là dans son cul, à la lune. On va pas y faire ça maintenant, c'est pas grave. Oh il se barre. Oh non. Vas-y ils me font chier à se barrer tout le temps là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah je vois bien mais il est où le deuxième? Ah ils sont apparus là-bas, ok. Aïe. Ah j'aime bien les mecs qui spam comme ça, c'est génial. Ok 1, 2, 3, ça on esquive, ça c'est bon. Non mais les gars, foutez de ma gueule!
Oh, il m'énerve. Ce tir-là, là, j'ai tellement pas le temps de le prévoir. C'est méga menaçant, les deux qui te foncent dessus. Allez, bim! Allez, cassez-vous! Ah, le secret, c'est vraiment de comprendre les techniques. À l'instant où j'ai compris comment esquiver la boule noire, ça a aidé à pas courir au hasard. Ouais, mais je me casse comment là? Ok, viens, je pense. Ah, je saute là? Ok, bon, allez. Et là, je meurs. Bon, la blague a dû être faite un milliard de fois. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Si vous avez gagné en cool. C'est la chaise roulante, t'as vu? C'est tout? Il me file cette merde? Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, l'armure de Xanthom. Oh, qu'est-ce que toi? Pour ceux qui s'en souviennent pas, l'armure de Xanthom, c'est ça. Ça valait le coup. Voilà, je viens de battre un des soi-disant un des pires boss du monde pour ça. Pour ça. Putain, ça vaut même pas le coup. Ouais. Par contre, pour n'importe qui joue armure des décelés, meilleure armure du jeu. Pas encore trop lourd, je peux même prendre plus de place. Ouais, tu sais, c'est le chapeau champignon. Dans le 1, on l'avait affronté aussi, qui était dans le monde de la neige. Il nous avait envahi. Et on l'avait défoncé, sa race. Parce que c'est un putain de sorcier. En fait, alors par contre, il y a une méga histoire derrière ce personnage-là. Alors, pas en tant que personnage, mais en tant que création. C'est tout simplement que, donc, à la base, ce personnage-là était déjà présent dans Demon's Soul. Donc, on va dire... Je crois pas qu'officiellement c'est dans l'univers de Dark Souls, mais en gros, toutes les mécaniques un petit peu connues de Dark Souls, elles étaient déjà dans Demon's Souls, notamment les feux de camp, les ennemis qui réapparaissent, tu laisses tes âmes là où t'es mort et tout ça. Beaucoup de gimmicks qui vont revenir seront dedans, étaient dedans, je veux dire. Et donc, là on va aller chercher le Evil Raking. Et donc, en fait, il avait un principe qui était méga génial, c'est-à-dire c'était un boss du 1, donc un boss du jeu, je veux dire. Donc t'avais un parcours à faire, quand t'arrivais à la fin du parcours, tu arrivais dans cette pièce, t'arrivais dans une grosse pièce avec lui qui combattait. Et en fait, c'est un genre de magicien, donc il fait très peu de dégâts au corps à corps, mais il te spamme... Oh, j'ai pas eu lui. Mais il te spamme des sorts, mais tout le temps. Donc ça peut très vite devenir chaud. Et en fait, le truc, c'est que donc plus tu lui infliges des dégâts, donc il a une barre de vie comme les autres là, et plus tu lui fais de dégâts, donc plus il va grimper des sorts passifs, donc il va avoir des genres de sentinelles qui sont autour de lui, qui vont t'attaquer direct dès que t'approches à portée, donc faut esquiver. Mais le truc intéressant, c'est que si t'avais... je crois que c'était un serment, il me semble. Si t'avais un certain serment... En fait, quand un joueur allait combattre ce boss, c'est un autre joueur d'ailleurs dans le jeu qui allait remplacer le boss. Et en fait, t'avais les mêmes pouvoirs que le boss et tu combattais un autre joueur. Donc le principe était vraiment cool. Et du coup, c'était à toi d'empêcher un joueur d'avancer dans sa partie. Donc c'était un peu chiant. Mais comme tu choisis pas ton stuff, ni tes dégâts, ni rien, en fait, c'est juste ton talent de magicien contre le mec, quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Oh, il est violent ce talon, là. Ok. Qu'est-ce que je veux là? Je vais combattre un ouf. Il fait quoi? Il lui fait de la glace, mais j'ai pas d'anneau de glace, donc c'est de la magie. C'est de la magie. Bon. Ouais, d'accord, 5 de force, vu la vie qu'il a, ça sert à rien. Explose, ça sert à rien. Oh, putain, j'ai rien. On va garder la résistance à la magie, on sait jamais. Allez, on y va. Et donc, ouais, dans le 1, c'était vraiment cool, ça. Donc moi, ça m'est arrivé... Donc j'ai combattu une première fois, moi, personne l'avait incarné. Mais par contre, quand je jouais, ça m'était arrivé de me faire... je crois que c'est un anneau ou je sais plus quoi qu'il faut porter. Ça m'était arrivé de me faire incarner pour essayer d'empêcher un joueur de battre son boss.
Alors évidemment, les gros cons, ils peuvent très bien juste ne pas bouger et se faire tuer, et comme ça, le mec, il le bat sans problème, mais bon. C'est censé quand même jouer le jeu. Et pourquoi j'ai pris ça? Écoute, on va faire avec. Putain, c'est le magicien que je devrais taper en premier, en fait. Ah oui, d'accord, en plus, il est invincible. Ok, j'ai quand même pris un coup. Mais y a pas de musique. Il y a toujours eu pas de musique. Il y a jamais eu de musique, je veux dire. Je sais contre le boss, il y en a une qui est trop stylée, mais... C'est moi ou là, j'ai un meilleur pouvoir arrêtant que le marteau. C'est con. Le but d'un marteau, c'est justement de faire des gros dégâts de force. Par contre, les gars, si vous pouvez sceller les portes, ça m'arrangerait, mais de malade. Voilà, parce que sinon, je vais continuer à me faire attaquer, moi. Ok, il y en a un qui a l'air de se décider. Ça manque d'ambiance un peu. Il y a trop un combat de rue, tu sais. Et qu'est-ce qu'il faut dans les petits cars, wesh? Les magiciens, ils sont ultra relous, par contre. Ok, ça, c'est bon. Putain, j'ai bien dormi, là, c'est cool. Je suis en forme, maintenant. Hop. Bien. Allez. Ah, par contre, ouais, c'est vraiment aléatoire, hein, si je le stoppe ou pas, le mec. Non, les gars, ça vous dit d'y aller là? Oh, trop stylé ça. On est une troll, comment ça marche pour qu'ils aient fermé les portes? Oh, ok, ça c'est bon. Ah, il est pas mort! Merci. Bah, idéalement, j'aurais bien attaqué ce foutu sorcier. Aïe 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 aïe. Là pour l'instant, je peux pas. Tuez-le s'il vous plaît. Yes. L'armure est très stylée, mais leur casque est vraiment pour les... Oh, quel con. Est-ce qu'il y a une deuxième porte gelée des fois? Yes. Donc là, il devrait pouvoir venir qu'un par un, je pense. Ça marche. Ok, lui il sacrifie, c'est bon. Il reste plus que lui. Ouais, c'est... Putain. Ok, donc là ça peut pas se backstab, c'est génial. Ok, là j'ai la porte, c'est bon. Yes. Merde. Ouais, à chaque fois je dois me les taper, ouais, c'est un peu chiant. Et t'imagines, t'en as, je suis sûr qu'il y en a, ils sont foutus le défi de se les faire, mais sans les chevaliers. Parce qu'il doit être horrible. Merci. Alors, est-ce qu'il disparaît? Par contre, l'apparition du boss, sans déconner. Un bijou. Ce petit côté, lui, il n'y a même pas de démo ni rien. Allez, je manque le son. Ça, ça fait vraiment combat final. C'est trop bien. C'est pas le combat final en plus. Et en plus, si je me trompe pas, c'est le seul des trois rois qu'on affronte directement. Qui a le titre de roi. Parce que le chevalier Fumerolles est un roi. Ah oui, je suis con, c'est que mon pote il est là, d'accord. Et pourquoi je... Pourquoi je... Je suis trop con. J'attaque à une main. Par contre, les soins ici dans ce jeu, c'est horrible. Hop, sur le boss, je veux dire. Hop. J'arrête de taper comme un bourrin. Ça sera deux coups max, hein. Oh là là, mais ce sabre laser qui te fait là. Est-ce que je peux me soigner contre ce boss? C'est jouable?
Il aime pas être dans les coins. Par contre, j'aime pas être à côté du vide. On le sait, le vide, c'est pas la vie. J'ai le temps de me soigner, yes. Merde. Ouf. Ah, je me suis désynchronisé. Allez, recul, stoppé, yes. Oh, ok. Oh nom de Dieu, c'était quoi? Bien joué. Non, non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Ok. Oh, oh. Yes. Yes. Et bim, les trois couronnes. Non, il fait pas de dégâts de dingue, mais il a une portée. Genre, je sais pas si t'as vu là son sort de merde là, il fait, sans déconner, il doit taper genre quasiment 4 ou 5 fois plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que j'ai les trois couronnes. Ouais, premier coup si on compte pas hier soir. Mon père est perdu en profitant des abysses. C'est Artorias son père? Ah non, c'est Manus, c'est le boss de fin du DLC là. Tu sais, l'espèce de gros singe avec son bras dégueulasse. Je sais pas si tu vois qui c'est, le loot, je sais pas si tu te rappelles dans le 1. Oh mais quelle grosse lâche putain. À cause de toi en fait. Dans le DLC t'avais Artorias avec sa grosse épée de malade là qui m'a fait galérer dans l'espèce de colisée. Et le boss de fin c'est un genre de gros pas singe mais il a une vieille gueule. Si ça ressemble à un singe quand même. Qui a vraiment des gros bras. Que je disais qu'il fait des patates de forain, hein. Je crois que c'est là où tu m'as dit de le dire moins souvent. Et je l'avais fait du quatrième coup, je crois, ou un truc comme ça. C'était une anomalie, parce que normalement, ça va être le boss le plus dur. Ok, c'est bon, t'as fini de tout me dire? Ouais, c'est bon. Parfait, et donc... Parce que j'avais dit qu'il y aurait des surprises. Car en une demi-heure, j'ai flingué deux boss, quoi. Attends, d'abord on va aller à Majula. C'est vrai quand tu vois t'as les mecs qui font des runs en gros SL1, c'est-à-dire en niveau 1. Les mecs c'est des ouf hein. Et les mecs ils finissent le jeu total juste avec le premier niveau. Donc ils ont pas mon endurance, pas ma vitalité, ils ont pas tout ça. Hein. Y en a c'est des malades. C'est quoi, on va grimper là. Peut-être avoir un sort digne de ce nom. Ah oui d'accord, c'est ça, c'est ce que je peux prendre. D'accord, je m'en fous. Ça, c'est du soin, je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai rien en miracle, c'est un truc de malade. Lance de foudre, 42, c'est mort.
Ah ouais, bah déjà, mine de rien, rejouer quand t'as dormi après 3 heures de run. Et puis que tu sais, t'as une mini-appréhension de ce que t'as à faire déjà, ça aide. On va pas se mentir, ça aide. Hein. Jouer, ah oui, jouer là. Et il y avait ça. J'avais appris quoi comme. Par contre, ce qui est bien dans Dark Souls 2, tu vois, le Dark Lurker, le boss que j'ai battu avant le Roi d'Ivoire. Ce qui est bien dans le 2, par contre, c'est que t'as plein de trucs cachés. J'ai lu, quand j'étais au boulot, là, j'ai lu un peu sur les forums. Et t'as vraiment plein de boss, t'as plein de trucs, t'as. Plein de petites armes, plein de petits easter eggs. Genre notamment, bon, t'avais des trucs par contre qui étaient méga cons. Genre j'ai appris le. Parce que je me demandais comment on faisait pour choper les coffres de lave. T'as 10 minutes? Ok. Tu vas où après toi? Tu fais une soirée, un truc? Tu vas réviser. C'est marrant, c'est que limite la vidéo d'hier était plus épique que celle-là, parce que là c'est j'arrive, je te shoote le Dark Lurker, là je te shoote le Roi d'Ivoire. Ça commence à faire beaucoup. Oh! Raclette, bien joué, tu vas avec qui? Avec Vulpes? Alors normalement, mais je sais pas trop si ça va marcher ou pas, mais normalement je suis censé avoir. Non, ça marche pas. Merde. Faut que je tue le roi Vendrick. Oh mais le roi Vendrick, je peux pas le tuer, il est trop galère. Alors pour la blague, par contre ça je l'ai un peu moins apprécié. J'ai appris sur les forums que je devais pas consommer les que je devais pas consommer les âmes de géants. En fait Vendrick je pouvais l'affronter 14 fois si je voulais, j'avais pas les consommer, fallait juste que je les garde. Donc je m'en trouve comme un con. Parce qu'en gros ce qui se passe c'est quand t'as pas d'âme de géant, il a 30. Il a. Sa résistance est multipliée par 32. Quand si t'en as une par 16, quand t'en as une par 8, et en fait ça divise par 2 à chaque fois. Donc je crois que si je veux me faire Vendrick, faut que je fasse un New Game Plus, et je t'avoue que j'ai vraiment pas envie de ça. Donc je trouverai une technique hors stream, mais Donc ça c'est bien chiant. Ah il est disparu lui. Putain j'ai tellement tué. C'est pas grave, j'avais ça. C'était quoi l'autre boss que j'avais dit? Ah tiens, il y a lui, je pourrais aller chercher aussi. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Faut pas l'oublier quand même. Il y avait lui, après il y a les boss sans déconner, il y a le roi des rats ou je sais pas quoi là. J'irai sûrement le chercher, mais c'est pas non plus là. Pourquoi je fais autant de dégâts? C'est quoi ce bordel? Ah, et puis je peux pas remonter, ça veut dire que je peux pas activer le feu. Parce que pour pas se faire chier, on peut faire ça aussi, hein. En fait, je pensais avoir débloqué le vrai boss, entre guillemets, le vrai boss de fin. Et malheureusement, ça a pas marché. Donc je suis un peu deg. Ok, visiblement il y a l'embout, hein, ça marche pas. Non, la surprise en fait c'est que dans la salle que je t'ai montré là où il y avait le couloir, le long pont, je pensais avoir débloqué ce qu'il fallait pour avoir le vrai boss de fin, et en fait non. Je crois que c'est soit tu le fais, mais il faut pas avoir tué le boss de fin, c'est-à-dire Nashandra.
Soit pour le faire après, il faut tuer le roi Vendrick et après. Non, là en fait, ce que je veux, c'est libérer le passage pour le démon fondeur. C'est le fameux démon que j'adore là, le boss, mon boss préféré. C'est génial le perso qui tape dans les murs, mais pas les ennemis. En fait, là, le but du jeu, ce serait de libérer le chemin. Et ouais, parce que là, je vais là, de toute façon, en tous les cas, je peux pas y aller. Et le but du jeu, ouais, ce serait de libérer le chemin. En fait, à les tuer, je crois, faut les tuer une dizaine de fois. Et comme ça, ils arrêtent d'apparaître. Et comme ça, on aura le champ libre. C'est bon, il veut pas soigner cet abruti. Oh, d'accord, je me téléporte au feu, mais compte. C'est nul. Par contre, les ennemis, ils sont apparus. Mais c'est quoi l'intérêt? Si tous les ennemis reviennent, pourquoi il m'a pas remis mes potions et tout comme si je me régénérais? C'est nul! Ça sert à rien! Ouais, j'aimerais éviter de passer. Bah, en fait, c'est que, c'est que si je m'écoute là, j'ai plus d'autres. Je pensais avoir 3 boss et du coup j'en ai que 2. Parce que Vendrick, on s'entend, avec sa résistance x32, là ça va pas être très drôle à combattre. Ça, le combat va littéralement durer genre 20 minutes facile. Et je sais que c'est pas vraiment intéressant, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps. J'avais qu'une heure pour jouer, donc j'avais pas trop le temps d'ouvrir beaucoup de chemin. Merde, c'est vrai qu'il fait un deuxième coup. Ok, tombe full AP. Ah mais t'es bien vénère toi. Tiens, dégage. Je comprends vraiment pas le principe. En fait, qui m'active pas le feu, je comprends. Mais au moins fais pas apparaître les ennemis. J'ai que des désavantages en faisant ça en fait. C'est nul. Bon bref. Pas grave, c'est le jeu, je pense que le jeu a pas été codé pour ça à la base. Ah si, je sais ce que je peux faire, bah oui. Le démon fondeur, tu le peux. Et du coup, Cyralone, il se trouve où alors? Merde. Oh ce bordel. Attends, je vais checker. Parce que Cyralone, c'est soi-disant le boss aussi considéré avec Fumeroll comme le pire boss du jeu. Memory, la mémoire du vieux roi, c'est où ça? Oh là là là, ça a l'air chiant d'y aller. Attends, c'est quoi? C'est le foyer, le feu foyer. Donc apparemment, c'est dans ce DLC là qu'il est. C'est quoi le foyer
Dans la tour des brumes. Ok. Ok, faut que je trouve la tour des brumes. Oh non! Bye Louloute! Tant pis, je vais affronter tous les boss sans toi. Mais merci de passer en tout cas. Très bonne raclette à toi. Et puis bah, on se voit bientôt. On se voit lundi pour Hogwarts Legacy. Bon, voilà, on va aller voir où est Sir Alon là, parce que ça va pas être très drôle. Ça peut être. Ouf. Ah, c'est-à-dire, je peux éliminer les saloperies aussi. Ah, mais oui! Oui, c'est vrai, je crois que je m'en souviens. Ok, déjà je peux choper cet objet. Qu'est-ce qu'il y a ici? Anneau de l'oiseau funeste, c'est quoi ça? C'est un DLC, c'est forcément en bas. Réduit perte de constitution lors des blocages de bouclier, sympa.
Ah, j'ai pas touché lui. Oh, cet ascenseur. Hein. Oh là là, je suis perdu. Ça en est bon. On y est en cette tour là. Ça se trouve c'est là-dedans. Putain, faut vraiment descendre. Ok. Voilà, tout est calculé. C'est pas du tout de la moule. J'ai le souvenir de beaucoup mourir là-dedans, je sais plus pourquoi. Ok, donc apparemment... Attends, je vais ouvrir cette porte là. Oui, bah oui, comme d'hab. C'est lui ? Apparemment... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh merde. Ouais, c'est garanti. Alors là, il y a un Adalien, on dirait.
Eh B, c'est intéressant. Et là-bas la prison qui est. Pourquoi on a tiré à cet endroit là? Pardon de bloquer. Intéressant, ça vaut la peine. Hop là, ok, en ce endroit ça sert à rien, pas besoin de me faire chier à le tuer. Bon, c'est la quatrième porte à ouvrir et on se casse. C'est vrai qu'il y a un autre ascenseur après que j'ai pas fait non plus. On va bien voir là. Qu'est-ce que c'est intéressant comme gameplay ça, hein. Quelle énigme d'affronter un golem avec un objet que je n'ai pas. Pour juste pouvoir ouvrir un coffre où il y aura sûrement une connerie dedans. Et là tu te dis que ça vaut le coup de faire 5 ans d'études en level design pour faire ça. Avec des épaules qui crament effectivement, j'ai oublié de. Je vais te préciser. S'il pouvait pas me faire les dégâts même en étant nul, ça aurait pas été drôle. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez hop, on prend ce qu'il faut et on se casse. Super, papillon radant, c'est vraiment de la merde. C'est bien allumer les torches. Alors, question, par où on va à l'autre? Ah, c'est la paire, ok. Ça par contre, c'est une... si c'est bien ce que je pense, c'est une très bonne idée par contre de faire ça. Oh, non. De mettre des grilles comme ça pour se dire, ah tiens, cet ascenseur là c'est bizarre, il y a une grille, ça veut dire qu'on peut pas le prendre par le haut. C'est une bonne idée. Il y a quoi le côté? Oh là là, partout. Mais... ok. Ah, oh, ça fait longtemps. On s'est passé par là ou... Oui, je pense que oui.
Ah ouais, d'accord, il y a vraiment du peuple. Ouais, j'espère qu'il y a un truc de fou. Ah bah voilà, tailleur du fondeur. Ouais, franchement, le planquer en droit comme ça, sérieux? Ça a quoi les hommes de Nadali en plus? Moi j'ai une croix. Que j'ai pété. Ok. Ah mais merde, je suis con, j'ai pas fait la porte. Attends, c'était où? C'était là? Je crois pas avoir fait la porte de la clé de la tour. Oh putain! Parce qu'il est trop lent pour se régénérer, c'est parfait. Voilà. Niaise là. Ça n'est pas moins de les rusher les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, 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 ça, voilà, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi mon perso il a offert son dos, mais écoute hein. C'est la life hein. Mémoire du vieux roi de fer. On peut rester longtemps dans le monde du souvenir, tiens, ça fait longtemps. Oh, oh non. Ah, je me souviens de vous. Ok, il y a des trucs partout, c'est génial. Faut libérer le chemin parce que c'est pas possible, comme tout le taper en même temps là.
Je suis désolé, mais quand je vois les configurations de ça, je suis vraiment mais persuadé que s'ils ont mis les le fait de virer les chevaliers, c'est pas pour le farm, c'est vraiment parce qu'ils se sont dit qu'il y avait des zones qui étaient un peu trop avec les playtests, ils ont dû se dire qu'il y a des zones qui étaient un peu trop relou et qu'ils ont fait ça. Je reste persuadé de ça parce qu'il y a tellement des configurations comme ça où genre je sais pas, c'est obligé de mourir, je veux dire. Tu peux pas rester longtemps, donc si tu te planques, aller faire un par un, bah il y a bien moyen de se faire dégager. Évidemment, t'as les couloirs minuscules où toi, ton épée tape toujours dans les murs alors que la leur elle passe tranquille. Ça, ce qui est toujours une aberration dans ce genre de cas. Vraiment, si tu sais que t'as un défaut de jeu, tu t'amuses pas à mettre des situations où tu vas l'exploiter. C'est comme avoir une caméra pourrie et faire des niveaux exprès pour que ta caméra se foute dans les murs. Et tu te... Quand ton moteur ou ton jeu a des. Tu sais qu'il a des problèmes, ben t'appuies pas dessus. C'est la pire chose à faire. Après c'est pas la pire config, hein. C'est vrai qu'on a vu pire dans le jeu, mais c'est un indice en fait, pour ça le problème. Ok, du coup on va là, il y a quoi ici? Objet, cool. J'imagine qu'ils sont fait tuer par les deux chevaliers qui l'ont couru après. J'avoue que c'était un pari, mais je misais un peu sur le fait qu'il puisse pas me toucher aussi près. Mais ça tue pas lui ici, c'est trop beau. Ah non. Ah non, ils sont immunisés au feu, c'est connu. Oh nom de Dieu! Ok, ça c'est pas du vide. Regarde-moi ce bordel. Regarde-moi le nombre de trucs qui m'ont foutu dans la salle. Ah bah oui, ça tape à travers les grilles. Bah oui. Pourquoi j'ai pas pensé? On espérait que ces conneries ils meurent, hein, parce que... T'as quand même l'air des créatures qui n'apparaissent pas, hein, ce qui serait une bonne idée. Dans le meilleur des mondes, ça serait logique en tout cas. Au pire, au moins, si je récupère tout ce qui est en bas, j'aurais pu y retourner.
Même si les saloperies apparaissent. Mais comment j'ai loupé lui? Mais ça risque d'être long. L'âme jumelle plus 7, sympa. Ça par contre c'est une bonne idée dans le DLC de mettre des armes, même en général. De mettre des armes augmentées parce que de toute façon t'as pas assez de matériel pour tout faire. Donc ça permet de t'arranger un petit peu. Limite il devrait le faire en fonction du nombre d'armes que t'as et du niveau que t'es. Je sais que scénaristiquement ça a pas vraiment de cohérence mais d'avoir des armes qui changent en fonction des parties. Mais en termes de gameplay ce serait bien de pas cramer des pierres à chaque fois. Bon bah j'imagine que c'est Sœur qui m'attend. Yes. Ouais c'est un samouraï quoi. Est-ce que je crame en endurance? Non, ça va être un coup hein. Oh classe. Oh ça fait quoi ça? Ok. C'est bien la fusion dans le jeu hein. Bah dans les DLC je veux dire. Ok, ça, ça va être dur d'esquiver. Après, il offre quand même des bonnes fenêtres pour se soigner, ça c'est bien. Si le jeu permet de rusher, c'est cool, mais j'y crois pas du tout à cette histoire. Je sens que la route pour aller jusqu'à lui va être vraiment relou. Ok donc tout réapparaît. Franchement j'étais sûr que les petites saloperies elles allaient rester en place. Franchement là cette photo elle vaut le coup. De voir l'abus total du nombre de chevaliers qu'il y a dans une pièce. Évidemment ça aurait été trop beau. Donc là faut que j'esquive les flèches, les samouraïs, la saloperie qui est en bas. Comment je suis censé esquiver tout ce merdier? Ok, c'est cool.
Ah ouais, d'accord, il fait ça aussi. Franchement, j'ai. Le boss en lui-même, il a l'air cool. Mais je suis désolé, j'ai vraiment pas le courage de me retaper une zone comme le château maintenant là. Je veux dire, est-ce que vraiment le DLC est pas assez grand et a pas assez relou à faire? A pas assez de difficultés? Il est devenu fou là tout quoi. Pour être obligé de se taper ce genre de zone, mais complètement pété. Avec un milliard de trucs qui me tirent dessus, les chevaliers qui me suivent, l'autre qui me crache à la gueule alors qu'il est en dessous à travers la grille. Alors ça bien évidemment ça touche pas ces chevaliers. Parce que je pense que ça aurait, ils se sont dit ça aurait été trop facile si ça pouvait me. Quoi que ce soit dans ce monde pouvait m'arranger. Donc bah désolé pour vous, je ne ferai pas. Tant pis, je le ferai moi ou plus tard ou je ferai un best-of, j'en sais rien, mais non, je me tape pas cette zone maintenant. Sachant que j'ai celle du démon fondeur aussi à faire. On va essayer de voir le roi Vendrick, peut-être que maintenant que j'ai les trois couronnes, ça a changé quelque chose. Mais je suis désolé, là c'est là vraiment c'est au-dessus de mes forces là de me retaper une zone de triche. Bah pas de triche mais. Pas intéressante parce qu'un par un je peux me les faire, c'est pas le problème. Je les tue en deux coups, je pourrais les faire un par un, mais il faut que je le fasse 15 fois pour m'assurer enfin d'arriver en bas à peu près safe. Je veux dire, vraiment, quel est l'intérêt ludique de se retaper des zones 15 fois? Ou de mourir sur le chemin pour aller affronter un boss alors que le boss est considéré comme un des plus durs du jeu. Voire le plus dur du jeu selon certains. Pourquoi? Ah oui, ça arrive à affronter. Voire le plus dur du jeu selon certains. Il faut quand même se dire que même le 1, même Dark Souls 1 avait pas autant d'ennemis, en tout cas certaines je veux bien, mais pas autant de zones avant un boss, même celle-là, celle que je viens de traverser là. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Elle ne dit rien, non, j'ai tapé. Ah ouais, non. Ça va marcher ça. Ouais, ça va être dur cette histoire-là. Le démon fondeur, j'aimerais vraiment bien le faire. Histoire de finir ma revanche sur ce boss pourri. Attends, on va tester un truc. Tester un truc, si ça améliore mes dégâts de saignement, je peux peut-être essayer de le faire au saignement. Ça va être du fun à l'état pur, hein, mais les trois boss, les trois, faut que je me. Faut que je me tape une zone à nettoyer en fait.
Éclat de titanite, est-ce que je peux en acheter? Aucune idée si les hommes de la Chandra sert à quoi que ce soit. De Adalia sert à quoi que ce soit. J'ai pas aimé tous les feux. Je sais pas ce qu'il me manque. Ok, toujours rien ici. Allez, on va tester ça. C'est dommage parce que... Les... Mais ça sert à quoi les couronnes d'ailleurs? Percuter. Couronne du roi d'Ivar qui régne toutefois cette contrée dans l'éternel dit qu'un roi fit bâtir une grande cathédrale dans l'espoir d'apaiser la flamme déchaînée. Mais quand il sentit son âme se corrompre, il partit sans maudire, laissant le pouvoir à Al-Sana qui, à l'insu de tous, avait gagné ses faveurs. Mais c'était bien entendu cela et aujourd'hui on oublie jusqu'au nom de ce roi. On oublie beaucoup de noms, hein. Quel débit. La seule bonne nouvelle, c'est que on peut peut-être lui faire vraiment des dégâts de saignement de forain. Il me semble que c'est un des seuls trucs qui me reste. Ça, j'en ai trois. Ah, je peux mettre de... D'accord, je peux mettre de saignement là-dessus. Quoi d'ailleurs?
Aïe. Et B. Ah, cette attaque là, là. Ouais. Bon bah le fouet ça marche pas autant que prévu. C'est la mienne. Bah c'est quoi qui fait saigner 67, c'est pas fou. ça c'est un des meilleurs. Ah ouais, fait saigner ça. Et je peux lui mettre du saignement en plus. Et ça tape vite. Il est classe ce bouclier là. Bouclier Carlis. Il met une trancheur qui augmente les capacités de son porteur. La magie ça sert à rien, on va le virer. J'ai pas un autre qui m'empêche de prendre des blocages. Ouais voilà, parfait. Et on va prendre mon petit bouclier à 100. T'es plus léger ça? Allez. Là, je dépasse le poids. Dommage que j'ai pas l'armure complète de des chevaliers des Lomlois parce qu'elle a l'air plus résistante que la mienne. De avoir un endroit où la récupérer mais je le connais pas. Monsel des chevaliers. Ah j'ai entendu chercher à l'arène du chaos ou autre chose. J'essaye vraiment, je fais vraiment ce que je peux pour le buter. Oh, surtout ça me touche. J'ai dû parer d'abord, savoir ce que... Ah ouais! Donc non, faut pas parer. On peut toujours le garder vu que de toute façon ça sert à rien vu que c'est le saignement qui compte. Thank you.
Vous vous rendez compte de ce que je fais pour essayer de débloquer un boss de fin? C'est pour vous que je fais ça. Au moins une crevée, c'est pas ça. Génial. J'en ai 3, j'en ai 2. Oh, je m'en ai cramé. Ok, lui il en vend autant qu'il veut. Franchement, ça peut le faire, hein. C'est chiant, ça va être long. C'est jouable. C'est pas une âme pourrie que je peux consommer, mais pas un truc que j'ai en 14 millions d'exemplaires. Je peux faire des builds spéciales saignement. Vas-y, attends, je vais essayer. Si je peux transformer une des trucs du pantin en saignement là. Ah, j'ai pas trouvé encore comment le faire. Bah apparemment. J'avoue que je ne sais point. Je vais voir là-bas déjà si j'ai pas l'armure. C'est condamné ça, non? Il y a les portes. What? Quoi, c'est pour former un chevalier? Oh, alors tout seul, ça va être sympa ça. Oh, je... Non! Oh les cassos.
Ok, bon bah pour l'instant c'est les gros échecs, alors tant pis pour le saignement. Tant pis pour le saignement, on va aller. On va aller. C'est où je l'avais vu déjà, c'était au début je crois. Ouais, je crois que c'était au début. En gros, on bosse DLC, il me reste quoi? Il me reste le Gang Squad ou je sais pas quoi du premier. Il me reste Sœur Alone du deuxième et le Démon Fondeur. Et là, il me reste les trucs des enfers là qui sont. Oh, ils sont derrière. Je pense qu'ils sont derrière la grosse porte en pierre, mais je suis pas sûr. Aïe. Enfin, peut-être pas, je sous-estime. Je suis peut-être plus fort, mais. Pas déconner non plus. Ah, c'est génial ça, on kiffe, on les kiffe les murs. On aime ça les murs dans ce jeu. Hein. Je pense que c'est mon anime préféré. Là. Et la caméra aussi, bah pas la caméra mais sa façon de se tourner, de pas du tout réussir à se tourner. Je suis un grand fan. J'espère qu'il y a moyen d'être un feu par contre avant, ça va être un peu chiant. Mais d'où je touche pas. Putain. Il est dur lui. Il meurt tous d'un coup, mais pas lui. Ah, ok. J'ai eu que lever une fois. Robe de serviteur, ok cool. Dans le doute on te déglingue. Il est porté lui. Oh, c'est génial les projectiles qui passent au travers. Ah, le fameux troisième coup qui ne touche pas. Congelé ou quoi là? J'arrive pas à savoir. Ok. Mais je le sais, hein. Je le sais que mon troisième coup touchera pas.
Elle est volontaire, elle. Courageuse. Oh. Oh, j'ai la pièce. Ouais, c'est la pièce que je pense, je crois. Ouais, c'est celle que je pense. Seule fiole. Allez, on y est presque. Ok, ça c'est bon, donc on y est, on va pouvoir aller à la porte que je n'arrivais pas à ouvrir l'autre jour, puisque j'avais pas de. J'avais le vent glacial qui m'était mis mes torches. Par contre on va se méfier parce que ça se peut que quand j'ai mis une torche, je vais avoir une connerie qui va me sauter dessus. Qu'il y a un feu. D'accord, c'est pas ce que j'appelle un feu. Oh oui, venez me chercher, s'il vous plaît. Oh, ça c'est gentil, ça. Qui porte, mais c'est un truc de fou ça. Oh, t'as cette grotte. Clé de la garnison. Oh, c'est celle-là, cette putain de clé qui me manquait.
Comment il s'est régénéré? Ou c'est pas le même que j'ai tapé? Ouais, qu'est-ce qu'il foutait encore ça d'ailleurs? Du coup, j'ai vraiment ouvert une porte qu'on dirait un boss final pour une clé. Ouais. C'est bizarrement foutu parce que c'est tellement droit planqué qu'on se dirait, on dirait vraiment qu'il y a une nouvelle zone quasiment. Attends, moi je me suis planté, mais je pense pas. Oui, parce qu'il y a un endroit, c'est la grotte. Oui, c'est la grotte qui sert à rien. Bah, j'ai 2-3 trucs à trouver, c'est tout. Et ici je tombe, donc c'est à dire que je suis obligé de me retaper tout le chemin si je veux retourner à la zone où j'étais. C'est très bizarre comme façon de faire. Parce que ça, en fait, ça invite pas à revenir. Tu dis, ouais, il y a une porte fermée en pierre. Il y a sûrement un boss derrière ou un feu, tu vois. Donc tu dis, bon, bah, j'y reviendrai plus tard parce que ça a l'air d'être autre chose. Mais non, ça te sert à la clé qui va t'aider à explorer toute la zone où t'es. On va découvrir ce boss là et puis après ça on va arrêter. Malheureusement il n'y a pas. Je vais pas farmer en boucle non plus, je vais pas raser une zone, ça va être chiant, c'est pas intéressant. Est-ce que j'ai raison d'aller là? Ouais, je crois que c'est ça. Je vais juste essayer de rusher. Ah, j'ai oublié de réparer ma hache. Putain. On va prier pour qu'ils ont bien fait la zone et qu'il y ait un petit feu avant le boss. Ouais, il me jette son javelot lui. Ah merde, je pense pas que je vais t'auto-reculer. Ça va, ça passe bien. Voilà. Et donc normalement on peut enfin ouvrir cette porte. En espérant qu'il y ait quelque chose de fou derrière. S'il te plaît, me troll pas.
Tout ça pour un feu. Super. Donc faut faire un endroit méga dangereux pour avoir une clé, pour ouvrir un feu qui sert à rien. Là j'avoue je commence à arriver à court d'options. Parce que je m'en souviens plus de des portes qui étaient fermées à clé. Ok, je m'excuse. Ok. Je m'excuse d'avoir gueulé, c'est bon. Wouhou! Ah, j'ai pas checké les coffins dans la cité engloutie aussi. Attends, avant d'être con. On va faire deux choses, ça rien parce que je sais quel boss il a et il me faut ma hache. Ok, on y retourne. Ah, ils ont mis le sarcophage en place, c'est parfait. Oh, il m'a fait peur, qu'il vient d'où lui? Oh, il est trop classe! Il fait méga mal par contre! Mais qu'est-ce que.
Ok, alors ça c'est méga classe par contre. Allez, dégage, je m'en fous de ton bonne chance, je vais rentrer dans le cercueil. Ah putain. Putain, y a pas. Ah, y a peut-être un feu. Bah non, ça sert à rien, de toute façon, d'avoir un feu. Au pire, on les esquive. Hein. La zone a l'air assez large pour pas se les taper. Prochaine fois les gars, si vous pouvez mettre le feu juste après qu'on se tape pas l'animation à chaque fois. Il y a des grandes chances qu'on de toute façon on y aille en dernier. PNJ qui m'envahit, j'imagine. Je sens partout. Racine séchée, on se rappelle de cet objet pourri, hein. C'est le truc qui me régénère soi-disant. Ah, j'ai assez tué cette fois. Oh, ce blocage de merde! Tiens, dégage. Hop. Ah, dis-moi que c'est disparaître la tempête. Hein. Merde. Chapeau de mire. Hein. Lumière avec tes incantations. Un truc améliore la portée des arcs.
Alors, où c'est que je peux aller? Là-bas, il y a un château. Et il n'y a pas de cheval, on y va. Pour l'instant. D'accord, ok. Putain, mais ça va être long, bordel! Ils apparaissent même pas sur la carte, c'est quoi cette triche? Ah, ils auront tout fait, hein. Ah, ils ont réussi à rendre tous les types de zones casse-couilles. La neige, le marais, la lave, tout. On voit rien, je veux bien, mais au moins que les seuls moments où on voit un million de quelque chose, qu'on puisse voir à peu près ce qu'on peut esquiver. Là, en fait, faut connaître par cœur. Sachant que je sais même plus où j'ai retrouvé la maison ou je sais plus quoi. Sachant que voilà, que lui il a tête chercheuse, donc j'ai beau faire une roulade sur le côté, Corée du marché, bah il me saute dessus, donc je prends quand même toutes les hitbox. Pas tout, je prends que j'ai une hitbox en plus, c'est mieux. Je prends les dégâts, je veux dire, vu qu'il se dirige au moment où je suis censé me barrer. Il y a quelque chose qui me fonce dessus, oui. D'accord, là elle m'a remis ses connards de chercheuse. Ok. Ça, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas disparaître? D'accord, donc quand le brouillard revient, c'est je me tape forcément un truc, c'est ça? On va y voir. Hein. Ouais, c'est ça. Je vous jure, j'essaie de rouler avant qu'il me touche, hein, mais c'est tellement bizarrement foutu. Oui, bah oui, il me touche pas, mais je prends les dégâts quand même. Classique, en même temps, je joue à la ressource 2, pourquoi je me plains? Quel bordel. Par contre, il est très classe, hein. Je vais enlever ça. Ah, c'est bien, comme ça, les boules, je les ai hors de mon champ de vision. Ah, ça y est, une fois dans ma vie, j'ai pu esquiver ça. Oh bah oui, bah oui! C'est bon, il y a un 3! Est-ce que pour une fois dans votre vie, les gars, vous pouvez faire des zones? Où on voit un peu ce qui peut nous arriver, disons. Juste qu'on puisse prévoir un minimum. Alors, pas un truc qui tire à travers les murs, pas un truc qui m'attaque dans le vide, pas un autre truc qui apparaît dans mon dos, pas un boss qui se divise en deux et qui m'envoie des attaques que je peux pas voir. Non, vraiment, un truc tranquille. Tu vois, les ennemis, ils vont être durs, pas de problème. Et tu te dis, tiens, faut que j'aille là, tiens, faut que je fasse ça, tiens, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a le deuxième qui est au fond, donc il faut que je me méfie. Tiens, il y a le gros qui est là-bas, si jamais il me voit, il va attaquer avec son pote, ça va être dur. Que vous tendez des pièges, je vois bien, mais je suis pas obligé de mettre 10 coups par ennemi, bordel. Là, je suis en fin du jeu, j'ai l'impression d'être un bébé encore. C'est fou. Oui, bah oui.
Voilà, mais oui, pas de problème, il se remet à une vitesse de fou. Il m'a laissé un truc. Il y a un gène de... Oh bon, au moins il file un truc relativement utile. Ok. Je me retape déjà un là? Je suis toujours pas où je dois aller. Sincèrement, je suis toujours perdu. Je crois que c'est à gauche, je crois que c'est par là. Par là en fait. J'ai hâte de vous montrer la zone de glace du 3 parce que vous allez voir que c'est pas vraiment la même c'est pas le même délire hein. La recovery des ennemis est tellement abusée que je peux pas taper et rouler juste après en fait. Alors j'ai une fucking hache qui doit faire 14 kilos. Bon, peut-être pas non plus, j'avoue que j'exagère, mais encore une fois, merci, merci logiciel de merde. Oh bah oui, bah évidemment. Eh bah oui, bah oui. Un mètre de moi, le temps de prendre de l'élan, bien sûr. J'ai oublié qu'il pouvait activer son mode nitro dans son cul là. Oh là 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 là, putain. L'ennemi est trop stylé par contre, c'est dommage. J'aimerais les affronter si c'était pas aussi chiant. Et surtout, ça n'est pas autant en fait. Il y a plein de solutions pour pas rendre ça frustrant. Soit tu les fais disparaître définitivement, soit tu me mets un peu plus de temps pour me repérer. Parce que je vois vraiment rien. Sans déconner, je vois rien. Je sais pas où je dois aller. Je pense que... Voilà, lui il arrive, c'est bon. J'ai roulé, hein. C'est pour ceux qui se posent la question, j'ai roulé. Bah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Boire une bière, c'est un rituel. Que boire une bière, ouais, boire une potion, c'est un rituel, apparemment. Mais regarde-moi ça, mais merde! Là, c'était pas compliqué à faire en sorte que ça marche bien. T'as juste à faire en sorte qu'il tourne moins vite que ma roulade, c'est tout! C'est juste ça qu'il y a à faire, il n'y a pas grand chose à faire, faut juste les ralentir un tout petit peu. Que si je fasse ma roulade, que je passe sur le côté et pas qu'il y a eu, je donne suivi, je continue à te cogner, comme ça tu vas forcément prendre l'attaque, malgré ta intensité de roulade. Putain, mais je dois aller où? Super, merci, merci, je dois me donner 5 secondes pour regarder mon environnement. T'es trop bon, t'aurais dû me foutre dans le brouillard tout le temps, comme ça au moins c'est... Non, enfin, en fait, j'aurais pas dire ça, parce que là, si jamais ils refont un jeu, ils vont le faire, donc... Allez, le cheval, j'étais en coin, là, t'es où? Allez, il sert à quoi, cet endroit, là?
Alors question, est-ce que ce serait pas des checkpoints en fait? Mais non, parce que oui, voilà, je peux aller là. Mais alors déjà, je sens que je vais me taper un cheval entre les deux. J'ai pas de repos entre là le gros château qui est en face, donc c'est quoi l'intérêt? Eh ben oui. J'ai oublié. En fait, je peux que le parer. Pour pas prendre de risque, faut que je pars. Super. C'est génial un jeu où ton esquive va te faire à rien. Allez, vas-y, c'était éclair de merde. C'est tout, c'est pas approché. Voilà. Et voilà, il se barre déjà. Il n'y a pas de recovery. C'est génial. Donc, je peux que attendre que son attaque finisse. Je peux rien faire d'autre. C'est super. Ah bah oui, les deux qui font un angle mort, c'est génial. Mais oui, mais oui. Mais vas-y, fais ton plaisir. Vas-y. Vas-y, trouve-moi le cul, y'a pas de problème. On s'éclate, on s'amuse. Ah bah les parents, c'est mon arceau préféré, lui. Hein. Yeah, c'est bon. Ça, je veux bien. Et là, y'a pas de problème. Voilà, là, il fait son attaque de merde. On peut boire sa potion tranquille. Il va se remettre, il va me rattaquer direct. Voilà. On va essayer de le désarçonner. Et voilà. Et puis tout à l'heure en 3 coups je l'assomme alors que là en 5 ça marche pas. Ah bah ouais. Hein. Putain, heureusement je l'ai fait avant le 3. Alors est-ce que je peux avoir 5 secondes? Tout à l'heure je me suis pris 2 en même temps. Est-ce que j'ai moyen d'avancer? Bah non. Et merde. Eh bah oui. Oh, il a pas bu, putain. Et boîte, putain, de potion. Là j'ai de la boule, là j'avoue j'ai de la boule. Allez laisse-moi là ce putain de château et dis-moi qu'il y a un feu s'il te plaît. Je commence à faire patience. Pas si ça se voit mais... Ah merde il y en a un autre. Il y a vraiment un mec qui a validé l'idée, qui se sont dit bah tiens vu qu'il a tué 4 il en faudrait peut-être un cinquième pour être sûr qu'il ait bien compris comment ça marche. Avec ma moule habituelle, en plus je vais en prendre un deuxième qui va m'arriver sur la tronche, comme ça arrivait tout à l'heure. Et toi le mort, je te fous la paix, je m'en fous de toi. Moi je vais aller là, là. Allez, c'est bon, me fous pas la blague de me foutre un dedans. Ok, il y a des morts. C'est tout? Ah, tu fous ma gueule là. Oh putain. Ah oui d'accord, lui il se tape plein de trucs, y'a pas de problème.
J'aime bien les zones optionnelles, hein, mais là c'est vrai que celle-là. Ah, puis tout à l'heure je voyais, maintenant je vois plus rien. Franchement, j'avais plus mes chances contre Vendrick zombie que dans cette zone. Quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt de faire ça? Je t'en ai tué 6 de tes putains de chevaux là. Je veux dire, au bout d'un moment, je commence à comprendre comment ça marche, non? Sur toutes ces attaques, il y en a une seule qui me fait tout le temps, qui me fait tout le temps des dégâts, c'est sa charge de merde là. On va essayer, attends, mais avec la blague qu'ils vont me faire, je suis sûr que même avec un bouclier à 100, je vais quand même prendre des dégâts. Ok, j'ai une demi-seconde pour voir où je vais, apparemment c'est pas par là. Y'a quoi ici là? Rien. Ouais, ça a l'air de servir à rien. Ah bah ça va être intéressant comme combat, hein. Hop, hop. Allez, on s'écarte. On mange la petite gemme puisqu'on peut rien faire. On y retourne. Voilà. Je tape. On recule. On attend parce qu'on peut rien faire. On le tape. On recule parce qu'on peut rien faire. On le tape. Et voilà, évidemment, mage qui a pas de portée comme d'habitude. Voilà, plus que 10 chevaux à tuer comme ça. Cool, ouais. Comme je suis un peu mongol, je pense qu'il m'en faut encore plus pour être sûr que j'ai bien compris comment ça marchait. Pour être bien sûr que je m'en prenne plein, ce serait bien que je sois dans le brouillard pour être sûr que je sache pas où je vais. Exactement comme il est en train de se passer là par exemple. Oh merde, je suis en train de m'ennuyer, envoyez-moi un cheval les gars. Ça serait dommage que je puisse être tranquille plus de 10 secondes. Ouais. Ouais. Allez, coup de patte. Yes. Allez, on recule. Yes. On mange la gemme comme prévu. Oui. Ouais. Ouais. On attend parce qu'on a plus l'endurance. Ouais. Par contre, ce serait bien. Voilà, super. Et comme on a commencé battu en pleine tempête, on sait toujours plus où aller. Donc, bon, on va y aller au hasard. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans Dark Souls 2? C'est génial! Qu'est-ce que le level design est bien fait, hein, pour se repérer? Y a pas une flèche, y a pas des pierres, des trucs, plus de ruines pour être sûr qu'on est déjà passé par là.
Y a un mur en neige qu'on espère suivre parce qu'on se rappelle pas l'avoir vu. Comme t'as été très sage, Duc, on va continuer à te mettre des chevaux. Après tout, c'est pas comme si ce DLC était déjà difficile de base. Putain, je peux te dire que leurs chevaux, ils en sont fucking fiers, hein. T'inquiète. Hein. Hop, un coup. Hop, on part. Hop, on attend cette génération endurance. Allez, suivant. Ça c'est vraiment génial. Je sais toujours pas où aller. On espère que c'est par là. Et surtout qu'il y a un feu. Parce que je meurs après jamais tout. Jamais tout ça. Non, non, c'est mort. Sinon là, c'est mort. Allez, viens, mon petit cheval. Oh oui, ça faisait longtemps. J'avais pas combattu ses talents. On va le reprendre. Allez, viens sur moi, petit bébé. Je te mets tout à branler. Le canasson pourri, sa cheval de merde. Il a pop 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 voilà. Et je sens que ton copain va se pointer. Exactement comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Je me suis fait défoncer. Par ton copain qui est à côté. Et super, le coup de boule retourné. Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit que son pote allait venir me chercher. Hein. C'est exactement là que j'étais mort. Oh bah oui, tout le coup qui va arriver à me shooter, voilà, il n'y a pas de problème. Oh merci, t'es gentil, merci de me faire une attaque. La seule attaque que je peux à peu près, que je peux à peu près prévoir. Donc je suis vraiment obligé de lui mettre un coup, un par un, quoi. Ah bah on s'étonne après pourquoi Mikami a pris le relais hein. Pas Mikami, Miyazaki pardon. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et on continue la marche. Et oui, en plus on a bientôt plus de 2 potions. On est bientôt mort. Et je vois des taches de sang, c'est tout. Mais je vois toujours rien du tout. Je sais pas où aller. Putain, il y a une là-bas qui donne envie. Ok, là il y a ma thune, donc ça veut dire que le vent je vais me le reprendre dans pas long. Il y a un zombie qui marche apparemment, ouais. Ah ouais, super, super, je fais quoi là? Sans déconner, je fais quoi? Mais qu'est-ce que... je vois rien, mais qu'est-ce que je fais? Je vois rien, j'aime pas ce qu'il fait, ce putain de canasson. Oui, bah vous avez bien raison de crier, tiens, vas-y, vas-y, fais tes boules de merde là, y'a pas de problème. Tiens, c'est toi le chat. C'est moi le chat. Ok, j'ai boumé les ruines, c'est bon. Ah. C'est toi le chat.
Ah bah oui, j'ai oublié. Bah oui, bah oui. C'est vrai que c'était pas assez dur. Non, je suis désolé, j'en peux plus. Ça y est. Voilà. J'en ai marre, c'est bon, j'ai battu tous les boss que je voulais. Je me ferai Sir Alone quand j'aurai vidé le couloir parce que. Bah voilà, welcome to Dark Souls 2 où, où la zone d'avant est quasiment plus dure que le boss quoi. Donc, eh bien, c'était Dark Souls 2. Allez, une dernière fois quand même. Mais là vraiment c'est là en fait c'est la zone de merde de trop. Déjà que entre le démon fondeur, la zone du de Sir, juste avant Sir. En plus c'est même pas comme si c'était. Celle-là, à la limite je vois bien. S'ils avaient mis que celle-là. Ok c'est chiant, ok je vais gueuler, ok c'est nul, mais au moins l'original, c'est une mécanique qu'ils avaient pas utilisé le brouillard. C'est juste qu'elle est toujours pareille, c'est mal équilibré. Il y a quoi pour faire ça bien? C'est pas compliqué, c'est soit tu fais un genre de timer que toutes les minutes tu vas te faire attaquer par un cheval, mais au moins tu sais que tu vas être tranquille pendant 30 secondes. Soit tu fais que c'est une zone qui, dès que t'avances trop, t'as un qui se déclenche, mais au moins il réapparaît pas. Chose que j'ai pas l'impression que qu'il se passe. Soit tu les fais juste moins résistants. C'est quand même pas une grosse demande. T'as juste à faire en sorte qu'il met pas 8 coups à crever. Et encore, je suis quand même un build force quand même. C'est fou. Ou alors tu fais que tu puisses te barrer, voilà, t'as plein de solutions en fait, c'est ça qui est chiant. Il y a plein de moyens de rendre ça pas con. Mais si, ils ont décidé le bon vieux truc que les gens aiment pas, c'est-à-dire bah, on vous met plein d'ennemis. Et sur un malentendu, ça peut passer. En plus ils ont introduit un système de feu dans le 2, ils ont juste à faire un truc dans le style, je sais pas moi, t'allumes une torche et tu sais que ces zones là, les chevaux ils peuvent pas t'attaquer et puis le but du jeu c'est d'aller plus loin possible. Genre t'en mets une dans chaque ruine par exemple, et comme ça ça balaye le... Je sais pas, tu fais un genre de muret, genre tu suis le muret, t'as une torche à la fin, ça allume tout le muret et t'as pas de chevaux qui t'attaquent dans ce... T'as plein de moyens de faire ça que tu galères mais au moins tu le... Au moins tu... T'as une vraie sensation de progression parce que là ça veut dire pour l'instant... Si on fait le calcul, depuis que j'ai découvert la zone, j'ai pas avancé. Hein. J'ai rien fait qui m'a arrangé. Pourquoi je fais ça? Ça marche pas avec eux. Faut les parer à l'ancienne, voilà, super. Ah oh bah oui, bon, en plus ils me tapent en décollant, c'est vrai qu'ils font pas déjà assez de dégâts comme ça. Ça me fait chier de finir là-dessus, j'aurais mis au moins finir sur un boss, mais écoute. Je comprends vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Sincèrement, je suis désolé pour les développeurs. Si un jour il y a un développeur qui m'écoute, ça va jamais, mais. Après, ça se trouve, j'ai de la merde, hein. Ça se trouve, il y a un raccourci ou je sais pas quoi et je le connais pas. Si c'est le cas, franchement, ça serait cool. Mais si vraiment le but c'est d'aller chercher l'espèce de ruine que j'ai vu au fond et qu'il faut se taper 15 chevals entre temps. Bien, je sais bien que vous êtes fiers de votre cheval, mais il faut pas que ça devienne chiant en fait. Oui, bah, le bouclier marche pas, là c'est génial, c'est super. Y'a rien, le bouclier marche sur que là, c'est un truc de fou ça. Je me prends littéralement une barrière, je me prends les dégâts tout à fond comme j'aurais pris si j'avais pas pareil.
Voilà, j'ai perdu, voilà, j'ai perdu où je suis. Attends, vu que j'ai combattu, est-ce qu'il a gardé les empreintes? Ah non. Non, c'est bon, ça y est, ça me saoule. C'est fini. Que je meure ou je tiens un feu, j'arrête. Je suis désolé, mais... je le ferai tranquille, tranquille chez moi, mais là, j'ai vraiment plus la force de mourir en boucle sur des conneries comme ça, là. Je suis désolé, mais ça, c'est... pas Dark Souls pour ce genre de conneries. Et en plus c'est marrant, c'est qu'ils ont compris le truc parce qu'on va dire oui mais Elden Ring t'es non pareil. Ouais, sauf que dans Elden Ring t'as ton cheval, ça veut dire que un truc te fait chier, tu te barres, tu continues et c'est bon. T'es pas obligé de te la taper parce qu'ils comprennent plus que moi de toute façon. Elden Ring, ils le savaient très bien en plus parce qu'ils ont pas mis n'importe quel ennemi dans le brouillard, ils ont mis un dragon. Les dragons, on le sait, quand on les tue, ils reviennent plus. Mais effectivement, ils se sont servis de cette mécanique là. Ils se sont dit, ok, à l'instant, ils se sont dit, si jamais tu t'aperçois. Si jamais dans Elden Ring, en fait, t'as un brouillard commence à arriver, tu sais que c'est là que le dragon va arriver. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire dans Elden Ring. Dans la zone spécialement où tu vois rien, c'est que tu vois tout le temps la map, sauf à l'instant où le dragon arrive. C'est-à-dire t'as le temps de te repérer avant de te faire détrôner dans le brouillard. T'as le temps de voir la map parce que le dragon il arrive que à un certain endroit. Et si tu fuis assez, en plus de ça, tu peux le... C'est bon, j'arrête. Et si tu fuis assez, tu peux semer en fait le dragon. Donc tu peux continuer à explorer et tu reviendras plus tard, parce que c'est un des plus forts. Bah, le plus fort. Dans le, on va dire, sans faire la zone optionnelle, c'est un des plus forts. Donc voilà, messieurs, dames, c'était Dark Souls 2. Voilà. Donc il y a quelques boss qui étaient vraiment cool. Notamment les trois boss de fin des DLC. Qu'est-ce qu'on a eu où on s'est bien amusé aussi? Franchement, il n'y a pas tant que ça. Il y a Fumeroll qui était vraiment cool. Si, même si j'ai gueulé un peu pour ces hitbox de merde, il y a eu celui qui est avant Vendrick là. Velstat ou je sais plus quoi là, celui qui a son espèce de grosse masse d'armes, au moins il était intéressant à combattre. Sir Alone, je pense qu'il serait vraiment cool à combattre. Là, le boss d'après, en fait, tant pis, je vais spoiler, je suis désolé, mais là j'arrive plus. Le boss de cette fin de zone, c'est en gros, je crois que c'est l'animal qu'on... En plus, voilà. Encore un truc d'originalité sur 20. En gros, c'est le lion qu'on a battu, l'espèce de tigre à dents de sabre, là, qu'on a battu au début. Qui est donc à la fin de la zone. Je me suis spoilé de savoir les boss qu'il y avait. Et non seulement il y en a un, donc évidemment, dans une plaine. Et en plus de ça, je crois quand tu lui mets mid-vie ou un truc, quand tu lui enlèves la moitié de sa vie, t'en as un deuxième qui débarque. Donc voilà, donc déjà que les combats solo c'est chiant, bah c'est chiant, ça peut être chiant. A deux, on l'a vu contre le Dark Lurker là, c'était... Ça peut lui devenir le bordel quand il se met à attaquer et que tu peux pas le voir. Donc voilà. Et franchement, j'avais pas un souvenir aussi mauvais de Dark Souls 2 la première fois que je l'ai fait. Donc est-ce que c'est parce que je jouais plus magie peut-être, parce qu'on était, je crois que je faisais un espèce de build intelligence et mêlée, je crois. Est-ce que c'est parce que, voilà, parce que à l'époque je m'en souviens pas, mais ça se trouve on a passé 40 heures dessus et j'ai pas le souvenir. Mais c'est dommage de finir là-dessus, mais écoutez, je vais pas vous faire patienter pendant une zone de neige pendant 2 heures pour rien.
Donc surtout pour un boss que vous connaissez, que tout le monde connaît, donc c'est pas intéressant. Et puis voilà, et puis on repartira lundi pour un autre jeu. Donc lundi normalement ça devrait être Hogwarts Legacy. Mais non, je ne ferai pas plus que ça. Je suis désolé, mais là j'en peux plus. J'aurais aimé faire Aldia quand même, j'aurais aimé vous montrer Aldia. Mais il faut que je tue Vendrick. Et Vendrick, on a vu, ça va prendre environ entre 1 et 2 milliards d'années. Donc pas intéressant non plus. D'ailleurs, moi, c'est celui que je vais essayer de faire là. Donc pas intéressant non plus. Et en gros, je pense que pour avoir Aldia, malheureusement, il faut que je tue Vendrick. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Merci de m'avoir suivi sur les mine de rien, toutes les heures où ça a été. Pourquoi ça bug? Merci pour d'avoir suivi pour toute la run, parce que mine de rien, on a fait 11 parties. 11 parties entre 3 et 5 heures. Franchement, on doit avoir 30 heures de jeu. Hein. C'est fou! Donc merci à vous, et puis j'ai hâte de vous voir lundi si ça vous intéresse pour Hogwarts. Salut à tous, bye!